Voilà. Électricité. On va pouvoir tirer d'ici. On va le faire sortir le câble au cas où. Ça. De toute façon, on va construire d'autres choses ici. Donc déjà ici, on a 9 salles de classe. Sympa. Et on va pouvoir déjà planifier au niveau des tâches. Au niveau des programmes. D'accord, j'ai pas encore les tasers. Bon ben. On va commencer par ça. Ok, donc là j'ai toutes les salles. Ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, non, en fait, il va falloir juste faire ce qu'il faut. Arrêtez. Hop, voilà. Comme ça, après, on va pouvoir faire ça comme ça. Thérapie comportementale. Tout ça, faut qu'on gère. Il faut une infirmerie, il faut tout ça. Allez, hop. Faut une salle commune, faut tout ce qu'il faut. Alors. Ah, j'ai pas de chef d'atelier. D'accord, ok. Bon. Eh ben ça commence à se réduire quand même. Alors, c'est quoi la prochaine truc? Guidance spirituelle. Donc faut créer une chapelle. Il faut créer une chapelle. Eh ben créons une chapelle. Alors, petite astuce, ça je vous le donne, c'est cadeau. Vous mettez en pause. Hop, vous faites une grande zone comme ça, que vous annulez directement. Et vous ouvriez, vous détruirez tous les arbres. Voilà, ça c'est une petite astuce. Ils vont pouvoir comme ça dégommer tous les arbres. Et après vous pouvez revendre le bois également pour vous faire de l'argent. Ou simplement le bois va être envoyé à l'atelier. Tout simplement. C'était quoi le bâtiment que j'avais créé ici? Oui, c'était la salle du courrier. Oui, et je n'ai pas le contremaître. Malheureusement. Donc voilà. Bon. Donc en attendant que les ouvriers détruisent les arbres, on va quand même préparer l'église. J'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Je sais pas pourquoi. Bon, n'empêche que cette mission est longue, hein, ce quatrième chapitre est long. C'est pour ça que j'essaye d'accélérer le mouvement. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, il nous faut un hôtel. Il nous faut des bancs d'église. Voilà.
et des tapis de prière pour les musulmans. Voilà. Ouais, je fais un passage comme ça. Bon. Ouais, allez, hop. Voilà. Comme ça, la chapelle. Il nous manque juste un peu d'électricité. J'ai bien fait tirer mon câble en haut. Voilà. Et mon dada emballé c'est pesé. Alors, le contremaître, au niveau du personnel, il me faut un contremaître. Hein. Hop, hop. Je l'ai envoyé à Perpète les Oies, tant pis, il ira dans son bureau. Donc, il y a ça. De quoi j'ai besoin également? J'ai besoin d'autres... des gardiens armés, mais je sais pas ce qu'il faut. L'avocat, allez, hop, l'avocat cadeau. Des concierges quand même parce que notre prison est quand même assez dégueulasse. Voilà, faut quand même que... Parce que là, là, ça brille pas des masses notre prison. Hein. Donc... pareil, il n'y a pas de médecin. Donc on n'a pas d'infirmerie, on n'a pas de médecin, on a que dalle. Ça, je tiens à le signaler. Ça craint le pâté. Du courrier, qu'est-ce qu'il nous faut? Bureau de classement et des tables. Ok, ben ça tu... Si je zoome, tu me les donnes. Ok, nickel. Allez, hop. Des bureaux de classement. Et je suppose qu'il faut en virer un sur deux. Et des tables. Ouais, on va en rajouter. On va rajouter d'autres. Voilà. Comme ça. On va voir notre salle du courrier. Et quand elle sera fonctionnelle, ben, on peut déjà le mettre en fait. Voilà. Comme ça, même si elle n'est pas encore accessible, on peut le faire. Ok, et il nous manque plus que organiser la guidance spirituelle. On peut pas faire deux. Non, non, un seul c'est tout. Bon, allez, hop. Ok, ok. Et il faut agrandir la capacité des cellules à 80. À 80. Ok, très bien. Alors là, c'est juste parce que j'ai plus les dimensions en tête, ça doit être 13 de largeur, mais je vais mettre en pause, bâtir les plans de cette cellule. C'est la cellule qu'on utilisera pratiquement tout le temps. Enfin, c'est le modèle de cellule qu'on utilisera pratiquement tout le temps. 2, 3, allez, on va le mettre là. Alors, c'est fait comme ça. Alors, une cellule, c'est comme ceci. 1, 2, 3, hop, ici. Ça fait 2 sur 3. Ouais, allez, hop. Ok, c'est comme ceci. Et on va agrandir jusque là.
Ok, et donc là on va avoir. Ok, bon, vous avez compris le principe. Ici, ça va être nos cellules. Voilà, bon. Ok, donc on peut déjà faire notre fondation. Voilà. 12 600. On devrait pouvoir y arriver là. Ok, donc ça c'est bon. Il nous faut juste la porte de prison ici. Le détecteur de métaux un peu plus loin. On peut déjà mettre en x3 et on va pouvoir ramener tout ce qu'il faut en flotte, en électricité, en tout ce qu'il faut. Donc, on a déjà commencé par la flotte parce que c'est ce qu'il y a le plus loin. C'est ce qu'il y a le plus loin à rapporter. Donc, hop. On va passer par là. Parce qu'il faut pas que les gros tuyaux traversent les cellules. Donc hop. Voilà. Donc là déjà, ils ont de la tuyauterie à poser. Ensuite, l'électricité, on va la superposer au tuyau. Jusqu'ici. Et le plus court pour raccorder, ça semble ici. Voilà. Normalement, l'électricité, ils peuvent pas passer dans les conduits d'électricité. Hein. C'est juste des câbles, hein. C'est pas des tuyaux. Suis en x3 pourtant là et ça, ouais, ça galère, ça galère. Qu'est-ce qui nous manque? Agrandir la capacité, ouais bon voilà. Bon. Je vais en profiter pendant qu'ils construisent ça, c'est de leur. Je vais créer une infirmerie. Parce que là, ça commence vraiment à devenir craignos quand même. Ben, je la crée là. Je la crée là. Je crée une infirmerie à l'arrache. On va dire ça comme ça. Ok, ici ça commence à être un peu plus concret. Alors, l'objectif, ça va être simple, ça va être secret. Nickel, parfait les mecs. Hop, 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 et hop. Ok, comme ça. Comme ça, on va secret. C'est des lits. Non, pas des lits médicalisés, des lits standards. Donc R, donc, comme ceci. Et comme ceci. Avec des toilettes. Ici. Ici. Ok. Une fois que tu as ça.
juste c'est. Tant pis pour eux, enfin pour ceux-là, tant pis pour eux. Juste. Voilà, ils vont juste virer les lumières qu'il y a là. Juste. Voilà. Et comme ça, une fois qu'ils ont posé le deuxième toilette, voilà. Moi, il me reste plus qu'à définir ces pièces-là. Ah oui, alors, il y a encore les portes de prison. Définir ces pièces comme étant des cellules. Ah oui, mais je l'ai pas. Je l'ai pas faite la recherche. Attendez, faut que je fasse la recherche avant. Voilà, dupliquer. Bon, et comme ça, il me restera plus qu'à dupliquer ces cellules. Et à la fin, j'ai plus qu'à poser la flotte. C'est réglé. En attendant, hop, ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'ici, ce soit une infirmerie. Donc, ici, on va. Verte et au niveau du service. Voilà. Au niveau des objets. Ce sont des lits médicalisés. Voilà, et il manque plus. Que les médecins. Voilà. Et là, ils ont du boulot. Ok, et je vais en profiter. Alors. Ma duplication elle est, ouais, elle est recherchée, donc j'en profite tout de suite. Hop. Hop, hop. Et là, ça va beaucoup plus vite. Bon, c'est une case trop haute, mais ça fait rien. C'est pas 100% optimisé, mais ça fait rien. Ok, alors ensuite, bon bah ça je, les 80% je vais les avoir rapidement. Ce qu'on va construire rapidement, c'est un bâtiment en béton. Qui va faire ouais, 7, 10, 7, 7 taille à peu près, avec une porte de prison ici. Voilà, hop. Et donc ici, ce sera une morgue.
J'ai combien d'ouvriers? J'en ai une vingtaine. Hop. Construisez-moi tout ça, les mecs. Voilà. Ok, et tout ce qui me reste à faire, c'est la petite tuyauterie. Je raccorde en haut, que je raccorde en bas. Voilà, comme ça, on a construit, voilà, nos cellules. Il y a eu un nouveau suicide. Un prisonnier a, semble-t-il, avalé de la morora. Des putains de génies, ces mecs. Des putains de génies. Putain, je l'avais dit en plus, de la morora dans une cellule d'un prisonnier suicidaire. Putain, mais quand les choses noient d'évidence comme ça, les mecs, putain. Oh putain de sa race. Non, mais vraiment des trous du cul. Ah non, c'est pas lui. Alors c'est lequel qui s'est suicidé? Ah mais il y a bien eu un suicide. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Agrandir à 20 cellules, on pourrait le faire. Ah, allez, on va continuer, chapitre 5, dans la cellule de Morgane, ici. C'est le Polaroid, je suppose en plus que c'est la photo. Voilà. Bon, allez, on continue. Chapitre 5. Tremplin. Ça a flash encore. Aujourd'hui sur CNDC News, un rapport spécial sur l'état de nos prisons. Cela fait maintenant 2 ans que le célèbre siège d'Alchemico a fait tant de morts, dont celle du PDG Charles Wallace. Des experts renommés nous rejoignent aujourd'hui et nous leur demandons si quoi que ce soit a changé depuis ces tragiques événements et si oui, quoi. Mais nous visitons tout d'abord en direct l'une des plus anciennes prisons de l'État, toujours opérationnelle, récemment programmée à la démolition. En direct, en exclusivité de CNDC News. Merci Sarah, cette prison a hébergé certains des criminels les plus dangereux de tout le pays. Mais ses murs sont à présent démolis et l'endroit s'apprête à accueillir un établissement plus moderne. Vous pouvez voir derrière moi que les ouvriers sont déjà là et que le travail de démolition a commencé.
Le maire de la ville, Calvin Heller, me rejoint à présent. Merci, monsieur Heller, de prendre le temps de venir nous parler aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez été par le passé un fervent supporter d'une approche carcérale plus dure et plus rigoureuse. Pourquoi démolir un établissement ayant représenté si longtemps une approche punitive? Les bâtiments, tout autant que la gestion qui en était faite, avaient fait leur temps. Nous avons pris la décision de les remplacer par un tout nouvel établissement, un établissement à l'approche plus moderne. Cette prison a fait l'actualité il y a quelques années comme l'un des tout derniers lieux d'exécution de tout l'État. Ouais. De nouveaux militants veulent depuis longtemps abolir la peine de mort ici. Répondez-vous à leur volonté de reconstruirez-vous une infrastructure d'exécution? Nous en discutons encore. C'est une décision qui ne sera pas prise à la légère. Merci beaucoup, monsieur Heller. À vous, les studios. Ici, c'est CNews, avec le reportage en direct de notre système carcéral. Tout de suite, après la pause, Dr. Waller Host, un spécialiste dans la psychologie et dans la réhabilitation des prisonniers, nous rejoindra. Tudunun! Ah, ça y est, tu vas encore me dire comment faire mon travail. Je vous félicite pour votre nomination au poste de dirigeant. C'est une incroyable occasion. Un nouveau départ. Vous disposez d'une autonomie complète, plus ou moins d'avantages de prisonniers, au taux de récidive plus élevé. De nombreux défis vous attendent. Quant à l'infrastructure d'exécution, démolissez-la ou gardez-la et utilisez-la. C'est vraiment à vous de décider. Si vous ne souhaitez pas vous occuper de cela, quelqu'un d'autre le fera. Pour vos objectifs, vous aurez les mêmes que ceux de votre prédécesseur. Profit, taux, récidive et capacité. Taux de récidive. Ok, d'accord. Vous avez toute l'aptitude pour les moyens de les atteindre. Ok, d'accord. Une dernière chose, le dirigeant précédent, Charles Wallace, a laissé derrière lui une lettre à faire lire à tous les architectes de la prison à venir dans la firme. Donc franchement, une voix narrative aurait été nettement plus agréable. Bon, après je sais que certains d'entre vous apprécient ma voix, même si je bafouille un petit peu. Ah, il y laisse quelques précieux conseils. Laissez-la donc, lisez-la donc. Vous la trouverez peut-être utile. Bonne chance. Alors, si je comprends bien, je reprends à zéro une prison. Bon, ok. Alors, avoir au moins 100 prisonniers, disposer d'une solde bancaire d'au moins 100 000. Ok, d'accord. Bon. Bon, on va voir ça. Excusez-moi, je m'étire un coup. Bon, et ben on est parti. On est parti. Alors, il faut qu'on ait au moins 100 prisonniers. Il faut lire la lettre. Alors, on va déjà lire la lettre du dirigeant. Oh putain, la vache. Oh, le pavé. Attendez, je bois un coup avant de la lire. Vous pouvez commencer à la lire, mais... Excusez-moi. Cher monsieur, chère madame, félicitations pour avoir réussi votre formation. Vous voilà désormais l'architecte de véritables prisons. Très bientôt, vous élaborerez, construirez et dirigez vos propres établissements pénitentiaires. À partir de rien d'autre qu'un bout de terrain et quelques tas de briques,
Mais avant de commencer, je souhaiterais vous donner quelques précieux conseils. 1. Chaque prison a besoin d'un directeur. C'est l'une des premières personnes à engager. Construisez-lui un joli bureau et il vous ouvrira toute une gamme de nouveautés via l'arborescence d'administration. Les cellules individuelles sont chères, surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Faites des économies en commençant par une simple cellule d'attente. Plusieurs prisonniers pourront la partager. Disposez déjà d'une cuisine et d'une cantine avant l'arrivée de vos premiers prisonniers et engagez bien des cuisiniers. Rien n'irrite plus les prisonniers qu'un ventre vide. La construction d'une prison coûte cher et vous devrez lever d'importantes sommes par des contrats et par des subventions. Vous pouvez accéder aux subventions via les grands rapports. C'est à peu près tout. Bonne chance, le dirigeant Prison Architect Corp. Très bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc il faut qu'on arrive à 100 prisonniers, à avoir une trésorerie de 100 000. C'est largement faisable. On va déjà commencer par l'entrée de la prison. Donc, 2. Alors, on va faire. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Alors, on va mettre juste une porte. Ouais, c'est ça. On va juste faire comme ça. Allez, hop. D'accord, il y a l'entrepôt ici, je l'ai pas vu. Limite, il m'emmerde un peu d'être là. Bon, allez, hop. Ok, alors, ensuite. Donc ça va être la porte de prison. Donc ça va y avoir la porte de prison ici et va y avoir également. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Ok, ensuite. Ensuite, je pense qu'on va construire des plans. On va faire des plans pour éviter de faire des bêtises. Ah ouais, mais j'ai besoin des murs. Bon. Alors, j'ai quoi en personnel? J'ai aucun gardien. On va mettre quand même quelques gardiens qui vont au moins aider aux livraisons. Et on va engager également un peu plus d'ouvriers, mais juste assez pour rester en positif. Ok, nickel, j'ai ce qu'il faut. Alors au niveau des plans, donc moi j'aurais l'intention, c'est de faire par exemple 1, 2, 3 ici, une porte ici. Ok, ici mettre le petit sas qui va bien. Ok, et ici, non, pas ici. Ici.
mettre ma première cellule. Est-ce que ça rentre? Alors ça rentrerait pile poil avec la prison, mais le problème c'est qu'il me faut un peu plus. Enfin il me faut au moins un d'espace ici. Donc ça va pas. Donc il faut que je décale tout de 3. Donc il faut que je décale tout de 3, donc ça va pas. Ok, très bien. Hop. Donc. On va plutôt dire. Et je laisse un espace ici. Ok. Ici. Ici. Et. Ici. Ça rentre. Ok, ça rentre. Donc ça va. Hop. Et ça, je vais donc laisser un trou. Ok. Alors, il y a ça. Et donc là, si je fais une fondation en béton, disons de 10 000. Ok. Ici, ma petite porte de prison. Ici également. Petite sauvegarde. Détecteur de métaux ici et ici. Ok. En face. En face, en face. On va avoir. Donc là, enfin, on va pouvoir commencer à avoir notre propre, enfin comment, nos débuts de, enfin notre, ouais, notre premier début de prison. Pas nécessaire d'aller aussi loin. D'accord, c'est des murs que je suis en train de bâtir là. Bon, bah ça fait rien. Allez, hop. Je peux déjà les bâtir, c'est pas un problème. Et je l'aurai pour fermer un petit peu après. Alors. Ok, alors là, on va avoir des fondations en béton et là, on va mettre, donc on va se mettre ici, non, ici. Alors, on va mettre quelque chose d'assez grand. Disons 21 sur 21, ça me semble être. Oula, je vais déborder sur l'entrepôt, c'est ça? Ouais, ça va pas. On va dire 15 sur 15. Sur 17. Ouais, ce sera 17 sur 17. Donc ça, ce sera notre voilà. Excusez-moi, ça va être la cantine. Ok. Donc la cantine, c'est une chose attachée à cette cantine. On va voir. Sur 9 mètres, ouais, ça me paraît bien. Est-ce que je veux juste délimiter? Normalement, ce sera délimité. Allez, hop, alors. Nécessite une entrée par contre. Alors d'un côté on aura, bah, de toute façon on aura notre porte de cellule ici. Bien, veuillez m'excuser. Alors on va mettre en accéléré un petit peu ça. Ouais. On va juste c'est le les plans qui sont là. Ouais, enfin, ce plan-là le virer. Alors on est d'accord que j'ai aucun prisonnier pour le moment.
Ok. Et il va me falloir. Ouais. Oui. Donc il va me falloir un bureau également pour le directeur. Le bureau, je sais pas encore où je vais le caser. Je m'en doutais. Bon, j'avais dit de toute façon 17 sur 17 mètres, donc un espace, donc on va avoir la cantine. Comme ceci, plus 1. Et on va avoir le reste, c'est la cuisine. Je me suis planté, donc ça c'est la cantine. Et ça c'est la cuisine. Tout de suite ce que je vais mettre pour délimiter. Table de service R R R, voilà, comme ceci dans ce sens-là, et si je dis pas de bêtises c'est comme ceci. Nickel, je peux en mettre trois pile poil, tout est calculé. Pas du tout. Bon, ok, donc après on va avoir les conneries habituelles de cuisinière. On va mettre ça comme ça. On va avoir les éviers. Et les frigos. Ok. Donc ça c'est bon. Dans les services. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas géré ça immédiatement. C'est une bêtise de ma part. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a l'entrepôt. Je pense qu'on va mettre le générateur et l'eau ici. Donc, pareil. Versant béton. Et que je dis pas de bêtises, donc 3 plus 2, ça donc ça quoi, ça c'est ce truc, donc il me faut c'est cette taille là qu'il me faut, c'est du 7 x 7 qu'il me faut, donc je peux le mettre ici. Donc il me faut du 7 x 7 ici et il me faut juste à côté du 5 x 5. Ok. Donc ça, il me faut une porte de personnel pour ça, une porte de personnel pour ça. En service, il va me falloir la station de pompage ici. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez. Donc, on est dans le caca. On est dans le caca, mais on a le système de subvention. Là, voilà, on a une subvention de 20 000
Avec cette subvention de 20 000, on va pouvoir construire déjà la première pièce. Enfin, on va déjà pouvoir construire donc la pompe à eau. Et un centre électrique. Voilà. Donc déjà ça. Ok. Donc ça c'est une chose. Donc que me demande cette subvention? Construire une cellule d'attente, une douche et une cour. Ok. Donc la cellule d'attente, va la faire là. On va la faire là, on va faire une toute petite... Attendez, que je vérifie, mais... Cellule d'attente. 5x5, ok. Donc il me faut du 7x7. Cellule. Enfin, la porte de prison. Voilà, on va avoir nos murs en béton. Je l'ai posé là, hein. Ouais. Donc, on va avoir. Comme ça, on va pouvoir avoir notre première cellule de détention et commencer déjà à avoir déjà avoir quelques petits trucs sympa. Alors, on a ça. Donc ça va être notre cellule d'attente. Minimum de 5x5 entouré de... C'est ça, hein? Ouais, 5x5. Intérieur, donc... Toilette et banc. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pas compliqué. Un banc. Et des toilettes. Ok. Donc ça c'est une chose. Ensuite on va avoir la douche. On va avoir la douche. Non, pas en brique. Qu'on va faire en... par 15. Ça c'est bon, hop, on va pouvoir comme ceci et il va nous manquer juste la cour. Alors ici je mettrai les bureaux. C'est ici que je mettrai les bureaux. La cour. Alors ici en fait je vais laisser vide parce que on va mettre en fait des cellules jumelles à celle-ci. Là en fait. Donc voilà. De toute façon, il va falloir qu'on commence à faire le income. Ça, on va le démolir, hein, je pense. On la construira ailleurs. Hein. Mince.
On va le détruire, on construira ailleurs. Et plus tard. Beaucoup plus tard. Donc ça c'est bon. On va juste donc remettre un. Alors la cour, ça va pas être compliqué la cour. On va pas la faire en pièce intérieure parce que ça m'est arrivé de le faire et c'est pas une bonne idée. On va juste faire des murs en briques comme ça à l'arrache. 1, 2, 3. Et on va faire ça de. Allez, on va garder la même dimension que la pièce d'à côté. Je sais déjà même plus ce que c'est. Qu'est-ce que j'avais dit que ce serait? C'est les douches? Ouais, c'est ça, c'est les douches. Donc on va garder les. Je vais pas avoir assez. Je vais pas avoir assez. Bon bah je vais clôturer ici. Hein? Ah, j'ai même pas assez pour finir. Ça fait rien. Alors, on va accélérer. On va accélérer et on va prendre une deuxième mission. C'est pas grave. Le centre administratif peut-être par exemple. Construire de bureaux, engager un directeur et une finance d'administration. J'en ai un compte de 5 000, ok d'accord. Sinon c'est celui-là, c'est le. C'est l'infirmerie. Et il me faut le. D'accord. On va essayer de. Ok d'accord. Alors là, je suis pas bien. Je suis pas bien niveau pognon. Mais ça va remonter. Ça va remonter. On va admettre. On va procéder comme ceci. On va pas en prendre autant. Faut pas déconner, mais. Voilà, on va le dire comme ça. Si on les reçoit tous, 27. Là, je vais recevoir 12 000 et je vais peut-être pouvoir commencer à construire les premières cellules. 12 000 et je vais commencer à créer les premières cellules. Ouais, on va faire ça comme ça. Je les accueille tous. Allez, hop. On est des fous. Donc je les reçois dans 18 h. Donc là, il faut qu'on tienne 18 h. Faut qu'on tienne 18 h. Mais je vais prendre un. Je vais prendre de l'aide. Alors, je vais prendre un truc. Je vais prendre l'infirmerie. Je vais prendre l'infirmerie. Et je vais commencer à construire. Je vais commencer à construire les cellules pour les prochains arrivants. Alors. Donc ça, ok. Je vais juste me permettre, hop, objet démonter. Voilà, démonter ça. Y mettre donc les fameux lits déjà, en premier temps. Donc là, j'ai 27 prisonniers qui vont arriver. Hein.
C'est le démarrage hein, qui est toujours difficile. Et après, ça va quasiment tout seul.